Yo tout le monde, c'est Link et bienvenue dans ce nouveau bon plan sur GOG.com. Donc GOG nous offre Outcast 1.1, enfin Outcast 1.1. Il y a quelques temps, Outcast Remaster ou je sais plus lequel avait déjà été offert et donc là il nous offre la 1.1, Outcast 1.1 qui est sorti le 31 juillet 1999. C'est un jeu édité par Fresh 3D et THQ Nordic. C'est un jeu d'action aventure science-fiction qui est en français, comme on peut le voir, en pleine langue et français. Et donc c'est plutôt cool. Alors en voyant les petites images, on peut voir que le jeu, bah, c'est un jeu d'époque quoi. Mais comme je vous ai dit, le remaster avait déjà été offert. Et donc bah, pour récupérer le jeu, vous allez dans le lien dans la description et qui vous amènera directement sur cette page. Et donc comme on peut voir écrit ici, gratuit. Habituellement il coûte 4€, un truc comme ça, si ça se trouve je peux me tromper. Mais ici il y a écrit gratuit, donc vous avez juste à cliquer sur ajouter au panier. Voilà, le jeu est dans le panier, vous validez la commande, voilà, 100% gratuit. Il coûte 5,19€ de base. Et donc on fait payer la commande, il n'y a même pas besoin de mettre de carte bleue et tout. Et voilà, Outcast 1.1 est dans la bibliothèque. Je vais aller dans jeu, et en cherchant Outcast dans les hauts. Alors, je ne me rappelle plus de mon alphabet. Outcast, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de se mettre à jour. C'est plus haut en plus si je fais mon alphabet. Voilà, Outcast est là et donc voilà, il est en nouveauté. Et donc bah, pour l'installer, vous téléchargez le launcher GOG Galaxy ou alors vous cliquez ici sur installer et télécharger et installer maintenant. Voilà, donc bah, nous on va se retrouver pour du gameplay de Outcast 1.1. A tout de suite. Calmos, les gars, j'ai la tronche explosée. Ulukai, tu es blessé? Je crois pas, Doc. J'ai juste les tympans décalqués. Je ne comprends pas, Ulukai. Ulukai, c'est comme ça que les crânes d'œufs disent. Oh, bordel. C'est quoi le plan? Qui t'es, toi? Où sont les autres? Je suis Ogrim, chef des gardiens de l'Otai. De quels autres parles-tu? Les autres? Comme moi. Tu étais seul, Ulukai. Il n'y avait personne d'autre. Parfait. Et maintenant? Maintenant, nous allons t'aider à retrouver tes 5 mônes et vaincre Ferran et Croax. Adelpha sera alors à nouveau libre. Oh là, on se calme. Je voudrais pas te décevoir, mais j'ai déjà un monde à sauver sur ma liste. Je sais, Ulukai, et c'est Adelpha. Pourquoi tu m'appelles Ulukai? Moi, c'est Cutter Slade. Il y a des centaines de lunes, le prophète Khazar a parlé d'un être supérieur, Ulukai, qui arriverait afin de sauver Adelpha de la destruction par Ferran. Pour réussir, tu auras besoin des 5 mônes qui ont dû être dispersés et cachés dans les différentes régions d'Adelpha en attendant ta venue. Tu as l'air d'avoir de sérieux problèmes, Zokrim, c'est ça? Mais là, il faut que je retrouve les 3 autres membres de mon équipe et une sonde déglinguée. C'est ma priorité. Après, si j'ai du temps, je verrai ce que je peux faire pour toi, ok? Sais-tu comment retrouver tes amis et cette sonde? Maintenant que tu m'en parles, non. Alors, je te propose un marché, Ulukai. Je vais demander à mes gardiens de l'Otai d'enquêter dans leur région sur ce que tu cherches. S'ils découvrent quelque chose, ils me le diront et je te le dirai. De combien d'hommes tu disposes? Jadis, nous étions des milliers. Désormais, nous ne sommes qu'une centaine et cela diminue chaque lune. Bon, si je t'aide à retrouver ces mômes, tu mettras tous tes hommes sur le coup pour moi? Oui. De toute façon, moi, j'ai pas vraiment le choix. Comment tu sauras où je suis? Nous le saurons, Ulukai. Au bout de ta lame, seront méfiants à ton sujet. Ils surveilleront chacun de tes pas. Honnête, la sonde est un grand machin en métal. Je dois la trouver en premier. C'est ça que tu cherches? Un sac à dos? Où l'as-tu trouvé? Là, je t'ai découvert, Ulukai, comme beaucoup des objets.
La sonde est bien plus grosse que ça. Tu as dit que le reste de l'équipement est ici? Non, Lucari. Lorsque les objets sacrés ont été découverts, beaucoup de Talan s'en sont emparés dans l'espoir qu'une lune, les Yod puissent leur venir en aide. Ils se sentent protégés. La plupart ne voudront pas s'en séparer. Ce sera une mission facile, Commander. Une simple opération de maintenance. Ça ne pourra que bien se passer. Bilan, j'aurai paumé mon équipage. Je ne sais pas où est la sonde. Les indigènes prennent mon équipement pour des bondieuseries. Et je suis largué en plein Plouclamb avec juste un sac à dos, moins je tape 12 et 30 cartouches. Je ne comprends pas tout ce que tu dis, Lucas. Mais si tu cherches d'autres objets, je voudrais que tu prennes ceci. C'est quoi? Ce gamsar est censé protéger l'essence des Talan. Lorsqu'on la serre dans la main, une étrange lueur sort du gamsar, et au bout de quelques instants, elle dégage une lumière vive. Cela imprègne le gamsar de ton essence. Malheureusement, tu ne peux pas bouger tant que la lumière augmente. Ok, laisse béton, chef. Je crois que j'ai besoin de me vider un peu la tête. Y aurait pas un coin, là, où je pourrais faire de l'exercice? Bien sûr, Lucari. Notre camp est grand ouvert. Tu devrais trouver mon fils, Yann. Il pourra t'aider. Lorsque ce sera fait, reviens me voir. Je t'ouvrirai la Laoka pour que tu puisses partir. Et de retour pour le gameplay de Outcast 1.1. Donc voilà, après cette très longue cinématique, on est parti. Et donc on contrôle ces personnages. Munitions pour trucmuche localisées. Donc on récupère les munitions. Voilà. Ok, on peut marcher. Là, on est en train de courir. C'est ici que nous a trouvé notre pote. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un pote? Je sais pas. Mais voilà, donc on va aller dans le camp d'entraînement, comme ils nous ont dit. Après, niveau bouton. Ok. Je sais pas du tout comment fonctionne ce menu que je viens d'ouvrir, que je sais même pas comment j'ai fait. Ok, on peut sauter. On a un pistolet avec lequel on peut peut-être tirer. Ok, ça tire. Je vois pas du tout où sont mes munitions. Ok, bim. Alors j'entends des trucs où ils disent trucs détectés, mais je sais pas c'est quoi. Là, il y a un truc, non? Ouais, il y a des cristaux. On peut pas aller là. Ok, donc je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si, il faut aller dans le camp, je pense, d'entraînement. Pour aller voir Yann. Ran, Yann, Jeanne. Je sais plus comment ça se dit. Est-ce qu'on peut parler aux gens? Ah, attendez, j'essaie de savoir comment fonctionne ce menu. Ah ok, c'est... ok. Salut. Je peux te poser une question? Ah, on peut parler comme ça, ok. Accompagner. Ah, te voilà parmi nous enfin. Les Yoth soient loués. Alors le doublage est sympa, pour l'époque, je dis, parce que... Les régions du Talanzar ou du Motazar? Motazar, allez. Parle-moi du Motazar. Cette région est aussi déserte que le Talanzar. Il y a quelques millénaires,
Ces grands arbres et ces nombreux animaux en faisaient un endroit merveilleux. Aujourd'hui, elle dépérit de lune en lune, et seules les plantes et les animaux les plus malveillants résistent encore. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ferran fait exploiter un minerai qui sert à fabriquer les armes des soldats. Plus l'on extrait de ce minerai, plus la région dépérit. Les Chamas pensent que ce minerai est le lien entre les Yod et Adelpha, mais je n'en sais rien. C'est quoi ce minerai ? Demande à un autre Talan, Ulukai. Je viens juste de devenir gardien, de commencer mon apprentissage et l'étude du Motazar. Qu'est-ce que tu as appris d'autre ? Le Motazar fournit tout le minerai à Ferran. Je me souviens d'une grande crevasse dans le sol qui sépare la région en deux parties et de grands trous laissés par les anciennes mines. À part ça, je ne me souviens pas de grand-chose. Ok. Bon, on va voir Ocarina. Parle-moi du Talanzar. Jadis, le Talanzar était une grande région vivante et colorée. Aujourd'hui, c'est un désert. On dit que les Yod ont provoqué ça parce qu'ils savent que c'est là où Ferran demeure et qu'ils essaient de le réintégrer. Mais je n'y crois pas vraiment. Ferran okay. est toujours dans cette région ? La plupart du temps, oui. Il y a construit un grand palais autour duquel se trouve la cité d'Okriana. Alors ouais, c'est le début du jeu, donc c'est un peu long. Presque toutes les régions d'Adelpha approvisionnent le Talanzar. Peut pas... Si, on peut skipper. Je vais skipper. Parce que on va quand même essayer de comment ça s'appelle. On va essayer de y a un minerai d'avancer un peu dans l'histoire. On va voir c'est quoi ce portail. Ok. Oh, on a une vue à la première personne. Ça c'est trop bien. Pourquoi tout à l'heure j'avais mon arme et là j'ai plus d'armes. Il y a des trucs que j'ai pas bien compris encore. Ah, c'est bouton A pour que l'arme s'active. Ok, bouton A pour activer l'arme. Ok, donc ici on a nos armes. Donc j'ai que cette arme de dispo avec le bouton R. Le bouton T c'est pour carnet de mission, d'accord. Y, il n'y a rien. U, I. I, c'est l'inventaire, je suppose. Par exemple, si je prends ça, c'est le carnet de mission, ok. I, l'inventaire. Nom de l'univers, ok. O, c'est pour les options. Par exemple, je vais tout augmenter à fond, parce que je sais pas si vous entendez bien. Mais voilà, au moins... Ah, ça, c'est la sensibilité de la souris. Je vais un peu augmenter parce que je la trouve un peu... Un peu... nul. Voilà. P, c'est y'a rien. Q, S, tac. Ah, ça c'est le game save. J'ai une game save. Je peux rien faire avec. Énergie, un truc stable détecté, ok. Ok, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller, on va peut-être sauter là. Ok, on peut grimper sur les objets, ça c'est plutôt cool. Ok, j'ai pris un métal. Je me suis remis en première personne. Donc G c'est le truc, ok. L c'est toujours le lexicum. W pour enlever l'arme. Ok, C pour se coucher. V je sais pas du tout. Ok, c'est l'inventaire encore. Genre ça c'est quoi? Ah, on a la carte du monde. Ok, c'est l'attentat, mon truc, ok. The Kem veut que je parle à son fils Jeanne avant l'activation de la Doka. Ok, et pour l'émission c'est un bouton N, mais je sais pas du tout où est son fils. C'est ça le problème. Est-ce que d'autres boutons? Oui, ça c'est la première personne, ça j'avais déjà vu. Ça c'est plutôt cool, j'aime beaucoup les jeux où on peut se mettre en première ou troisième personne, on nous laisse le choix. Ça c'est pour marcher. Ça, le tab. Ah, tab c'est la mini-carte. Ah, ok, oula. Ok, tab, mini-carte. Salut toi. Ok, c'est toujours le même, on lui a déjà parlé à lui. Mais où le fils à qui je dois parler alors, c'est lui? Ok, tab, la mini-carte qu'on peut...
Excuse-moi, mon gars. Ah, mais qu'est-ce que tu lui as demandé? Mais c'est le chef. Qu'est-ce qu'une Daoka? Mais non, mais ta bouche. Est-ce qu'on peut pas lui parler de son fils? Non, on peut pas trop lui parler de son fils, ok. Bon, bah, on va le chercher. Peut-être en haut là, des escaliers? Qui sait? Oh, y'a un truc! Oh, j'ai trouvé un coffre! Si cet émetteur fonctionne. Cutter au groupe! Cutter au groupe! Est-ce que quelqu'un me reçoit? Putain, les gars, connectez-vous! Ah putain, j'ai trouvé un secret. Aïe, je suis tombé. J'ai trouvé un secret, ça c'est cool. Mais pour l'instant, je sais toujours pas où est le fils de la personne, du chef. Peut-être là-bas. Ok, ici on a... Hop. Ici il y a personne. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas brûler dans le feu. C'est dommage. Ou alors c'est une bonne chose. Regarde d'avoir quelqu'un dans la maison. On est d'accord, il y avait une autre personne, on aurait dit. Qui était pas le chef. Si, c'est le chef. Ok, c'est le chef. C'est-à-dire que le mec que j'ai vu passer avec le truc rouge. Lui, t'es qui, toi? Salut. C'est toi, Jeanne? C'est toi, Yann? Ah. Oui, Lucas. Ah, je l'ai trouvé. Je suis content que tu ailles mieux. Merci. Ton père m'a dit que tu pourrais m'aider à me mettre en jambe. De quoi? Bon, laisse tomber. J'ai besoin d'un peu d'entraînement. Tu me files un coup de main? Allez, c'est parti pour l'entraînement. Bonjour, Lucas. Voici quatre épreuves prévues pour entraîner les gardiens. Je peux te montrer si tu veux. Ça marche. Allez, c'est parti pour les épreuves. Choisis entre l'épreuve du saut, de la nage, du tir ou de discrétion. Ok, on va commencer par l'épreuve de saut. Va pour l'épreuve du saut. Cette épreuve est terminée, Ulukai. Il n'est pas nécessaire de la refaire. Ah, c'était le truc où il fallait que je... Merde. Eh ben, on va faire du tir. C'est quoi l'épreuve de tir? Cette épreuve est terminée, Ulukai. Il n'est pas nécessaire. Ah, fallait tirer, je pense, les trucs. Bon, on va faire l'épreuve de nage, alors. J'ai déjà fait on tous fait les trucs. L'épreuve de la nage. Nous testons l'aptitude des gardiens. J'ai fait des trucs sans le faire exprès. C'est pour les fois où nous cachons des objets, lorsque nous voulons éviter les soldats de Croix. Suis-moi, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Ok, c'est parti. Alors il faut que je le suive à ce que j'ai compris. Je kiffe la démarche des persos. J'aime beaucoup la démarche. Donc je dois le suivre. Je sais pas où est-ce qu'il va, mais je dois le suivre. Donc on va faire un peu de nage. Ah c'est cool, il y a des semblants de traces de pas. Info épreuve nage. Tu veux que je nage là-dedans? Mais je vais me geler les oreilles. Cette eau est glaciale et elle contient des objets dont tu auras peut-être besoin. Plonge jusqu'au fond pour les trouver. Et protège ton essence. Ok. Allez, bah, let's go. Allons, plongeons dedans. Alors pour plonger, ok, c'est le clic. Ok, c'est les clics pour plonger et ne plus plonger. Alors je sais pas du tout où est-ce que est mon truc de... Pour savoir si... Ok, je peux essayer de récupérer tout ce que je peux en... dans la nage. Ok. J'ai retrouvé des trucs inconnus. Elle remonte. Ok, on a trouvé encore un truc inconnu détecté. On va récupérer. On va récupérer tout ce qu'il y a là aussi. Ok, on va remonte avant de mourir. Je suis remonté, ok. Alors, je sais pas du tout ce qu'il faut prendre. Ok.
tout récupéré, je pense, ou presque. Et remonte. Oh bah, je pense que c'est bon, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'on peut dire que l'épreuve, je l'ai réussi. Je vais quand même checker une dernière fois dans le grand bassin, voir si j'ai rien oublié. Genre tout au fond ici. Ben voilà, vous voyez, j'ai loupé des trucs. Ok. Il y a des trucs au fond là. Ok, bah, je pense que c'est tout bon. On va pouvoir aller revoir notre ami. Ok, ça, c'est du froid. Je sais même pas où il est parti, il s'est barré sans moi. Il m'a abandonné. Reviens ici. Et machin. On se fait l'épreuve de la nage ? L'épreuve est terminée. C'est bon, j'ai réussi à la faire. Et bah vous savez quoi, on va faire l'épreuve de discrétion. Et ensuite on s'arrêtera là. C'est quoi l'épreuve de discrétion ? C'est l'épreuve la plus difficile. Ah ! Comme mon père nous ordonne de suivre les enseignements pacifiques de Khazar, nous sommes obligés d'essayer de nous faufiler dans certains endroits sans que les soldats ne nous voient. Pas de mal à ça, ça fait des économies de munitions. Bah oui. Peut-être, mais moi, je veux me battre. Mon père l'interdit. Alors, nous nous entraînons à prendre les objets sans nous faire repérer. Suis-moi. Je vais t'expliquer les règles. Ok, explique-moi les règles. Je te suis. Et c'est la dernière épreuve de ce gameplay de Outcast 1.1. Et ensuite, bah, on s'arrêtera là et ça sera à vous de découvrir la suite de ce jeu magnifique. Alors pour l'époque, pour 99, je sais pas ce qui est sorti en même temps que ce jeu, mais on peut dire qu'il est plutôt joli. Mais voilà. Donc on va essayer de faire de la discretion. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas mon fort la discrétion. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait? Tu vas commencer les épreuves les plus difficiles, Lukai. Place-toi dans le carré, et lorsque j'aurai compté jusqu'à 3, tu devras essayer de récupérer le fruit que j'ai mis par terre. Ça m'a l'air facile. Pas tant que ça, Lukai. Si tu quittes le carré avant que j'ai dit 3, je recommencerai. Si je te vois, je te le dis, et tu devras recommencer le oh, oh là là, okay, ça va être chiant. C'est parti. Place-toi dans quel carré et attends que je commence à compter. Il est où le carré? Quel carré? Ce qui me dit place-moi toi dans le carré. Je suis dans le carré, non? Je pense que je suis dans le carré là. Il a posé le fruit, ok. Pas vu. Il me voyait pas, mais il est aveugle. Tu veux réessayer? Je suppose que tu es encore fatigué de tes voyages. Réessayons. À 3, tu essaieras d'atteindre le fruit. Ah, j'ai raté? Mais j'ai pas compris. J'ai rien compris.
Je n'ai rien compris à l'exercice. C'est n'importe quoi. Tu veux réessayer ? Je suppose que tu es encore fatigué de tes voyages. Réessayons. Bon, on va s'arrêter là. Si vous avez compris comment dépasser ça, bah félicitations à vous. Et donc voilà, j'espère que ce bon plan sur Outcast sur GOG.com vous a plu. Si ce bon plan vous a plu, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, partager, activer la cloche. Me suivre sur Twitch, Twitter, Discord et ma chaîne secondaire. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Et n'oubliez pas, pas besoin de dépenser pour jouer aux jeux vidéo. C'était Link, à plus tout le monde. Bye bye.